On est trois organisateurs. On est le parc de la Chartreuse, le parc des Bauges et la chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Donc il y a des exposants de ces trois territoires, donc du département de la Savoie, du parc des Bauges et du parc de Chartreuse. Et on va avoir des producteurs locaux, mais aussi des artisans d'art. Le but de la Ronde Gourmande, c'est de promouvoir les produits des territoires locaux et de montrer un petit peu toute la diversité qu'il y a, tout ce qu'on peut trouver, et puis surtout de valoriser un peu cet artisanat ou ces productions locales qui ne sont pas forcément très connues. Il y a quand même pas mal de fidèles, mais après c'est ouvert, donc on essaie de renouveler un petit peu certains stands et de faire en sorte que les nouveaux puissent aussi accéder à ce marché qui est de plus en plus convoité pour les exposants. Alors aujourd'hui on en est à 65 précisément, et au tout début quand on était à l'extérieur, on était à moins que ça, on était autour d'une quarantaine. Voilà. Et c'est à peu près moitié de producteurs, moitié d'artisans d'art. La priorité, c'est les producteurs locaux, les agriculteurs, puisque c'était ça un petit peu l'intérêt des trois organisateurs. Mais bien sûr, on voulait aussi promouvoir l'artisanat d'art local et non pas les faux artisans, entre guillemets, qui font de la revente, mais bien ceux qui travaillent avec leurs mains et qui proposent leur propre production.